Mathieu Laine, je suis cofondateur du Petit Ballon avec mes associés Martin, Jean-Michel et Clément. J'ai monté cette boîte il y a quelques années et on continue toujours à bien rigoler à faire ça. Donc on touche du bois, on espère que ça va bien continuer et qu'on ne va pas s'arrêter là. On peut poser la question du consommateur. En fait, on s'est mis à sa place en essayant de découvrir des choses. Le monde du vin de sens un peu simple, en essayant de voir tout ce qui existait en dégustation, en compréhension, et tout ce qu'on a trouvé était pour nous trop cher, trop compliqué, trop vieux, pas fun. Martin a eu l'idée de monter ce concept d'approche du monde du vin pour essayer de le démocratiser, de le rendre plus accessible. Notre signature aujourd'hui, c'est les vins sans baratin. Je pense que c'est notre grande différenciation au départ, de ne pas venir d'une fonte du vin pour essayer de le rendre plus simple et plus accessible. Servi de l'abonnement pour commencer à faire comprendre et faire adhérer les gens à notre projet. Au Petit Ballon, on a toujours des milliards d'actu, hein. On continue à développer notre vente de vin et d'être un vrai e-commerçant. Notre ambition est toujours de devenir un réflexe vin. Dès que les gens pensent vin, ils pensent Petit Ballon. On continue à développer nos réseaux de distribution autres que sont par exemple ce qu'on fait avec Monoprix, enfin Monop à l'heure actuelle. Toujours plus de services, toujours plus une meilleure expérience, plus de techno et plus de distribution.